Il y a un compteur en fait dans la manette directement. T'imagines, t'as un compteur d'input. Un compteur d'input. Ouais. Vous avez appuyé 700 000 fois sur O à force de jouer à Zelda en pompant. Ça va pas du tout. C'est un shadow. Tu crois que le world record sur Zelda il s'achète combien de manettes par semaine? Il a disait il était à 7 par semaine. C'est une manette de Super NES, donc après ça doit pas être trop souvent qu'il change de manette. Pouette. Bah en faisant du pumping, logiquement, le D-pad de la Super NES, tu le défonces encore plus quoi. Ça l'auto-lime en fait. Pour jouer à Mario Kart, ouais, soit ça. T'as un pad de limé, soit t'as un pad de mec qui a runné Zelda. Ouais, ils ont un partenariat en fait, pour les joueurs de Mario Kart. Son coloc, c'est un joueur de Mario Kart. Évidemment. Je l'aime pas le mec en vert. Luigi? Mais non, oui. Oh là là, tout de suite là, la haine anti-italien. Je sais pas, les c'est hallucinant hein, ce racisme anti-italien. Yoshi. Je trouve ça pas gentil. Le racisme de dinosaure. Bowser? Nosor. Bowser Nosor? Bowser Nosor? Il est dit. Ah, est-ce que c'est plus dangereux de jouer à Zelda à la manette que de jouer à la souris à Diablo? Bah, je vois pas comment tu peux ruiner une manette. Ah si, Diablo 1, t'étais obligé de cliquer. Mais à partir de Diablo 2, tu pouvais maintenir enfoncé. Zelda, c'est comme Mario. Dans le premier tournoi, j'ai essayé de l'appeler Todd. Il allait vite, et effectivement, il tombait dans les trous. Tifa, est-ce que tu veux vraiment qu'on parle de tes tournois de l'UT4? Ouais. Bah, ça va. Hein. Bien nul sur Dark Souls. 5 étoiles d'argent, une étoile d'or. Hein. Putain, t'as fait 5 étoiles d'argent? Mon dieu. Mais non, il a eu 2 étoiles de papier. Quel mensonge. Ah, 2 papiers. Ah, ok, bon bah 3 étoiles et de papier. Et 2 fois grâce à Dark Souls. Bah, il faut. Alors, je sais pas s'il faut dire grâce ou à cause. Honnêtement, y'a pas. Bah, grâce, parce que tout le monde sait que c'est à cause. Moi, déjà, j'ai une étoile et je suis hyper content. C'est tellement dur. Honnêtement, moi je ferais jamais une étoile. La régularité sur Dark. Putain, mais moi ça me dégoûte quoi. À cause de ce putain de Moldorm, je passe à côté de l'étoile d'argent. J'aurais dû avoir une étoile d'argent au premier tournoi. Mais nul, c'est triste. Ah, mais il est méga frustrant sur Moldorm. Oh là là. Moi je trouve ça horrible à regarder Moldorm. Tu vois les mecs qui tombent et tu fais mes putain. 3 minutes 20. Quel boss de merde. Ouais. Bah pareil, j'avais 1 minute 30 de PB Pace et il m'a fait perdre genre 2 minutes 30, un truc comme ça. Oups. Anyway. Anyway, le Kawaii. Ils disent les Américains, la vie continue. Les Américains, je suis pas sûr qu'ils disent ça en ce moment. Voilà. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a les Hunger Games qui vont commencer et du coup, on pourrait les regarder, on sera spectateur simplement. Ah, le petit dégât qui fait plaisir là, dès le premier moulin. Le petit moulin. Y'a pas une histoire avec ce petit dégât? Mais c'est parfait ce jeu. Mais c'est parfait. Tout va bien, Charles. Après la enfin, juste avant la première série de plateformes dans les moulins, et ben si tu vas trop vite au début, et ben tu te prends une balle du moulin. Oui, et c'est du coup, vrai. T'es niqué. Ouais. Et pour une raison qui est inconnue. Ça m'est arrivé une fois. Je le pas, premier saut, tu te laisses tomber ou tu sautes? Oui, je me laisse tomber. Non, c'est bizarre, je me suis jamais. Mais je fais toujours la même chose. Franchement, je fais toujours la même chose. Enfin. Mais non, pas au fait. Mais quoi? Attends, au pire, tu perds rien du tout. J'ai choisi ce plan d'eau de ce boss. Mais sérieusement, ouais, faut que j'y pense. Tu joues en quelle résolution, Chamout? Je joue en rien du tout. Je joue en fenêtré, mais tu sais, c'est
Ouais, on peut pas choisir ça. Mais est-ce que je me demande s'il n'y a pas des hitbox qui dépendent peut-être un peu de ta résolution, et comme tu mets pas forcément tout le temps la même taille, de temps en temps ouais, tu non, mais là, prends, que la prends là, pas. Là c'est mon 19ème try depuis que j'ai commencé, et j'ai été 17 fois au moulin. C'est bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut CDV. Comment ça va? Je baille. Tu bailles? Je suis fatigué. T'as rien aujourd'hui? Non, mais là je vais me lancer, je vais me faire mon sub 30 sur Dark Souls. Comme ça je vais être content de me coucher. Ah tu l'auras pas si je l'ai pas. On prévoyait de faire des races si tu veux te joindre à nous. Ah c'est mort. Ouais. Genre on a découvert qu'on pouvait pas attaquer Taurus par derrière. Ouais. Ouais. Bah si t'arrives rentrer. Depuis Paris, tu peux pas rentrer chez Taurus. Ah ouais. On a essayé des, runs des routes alternatives, mais... C'est rigolo, ça. On a voulu faire Asile, Papillon, Gargouille Stray, puis aller voir Taurus, pour faire Capra Gapping derrière. Et tu peux pas rentrer dans Taurus. Ah, tu peux pas? Non. C'est bizarre, ça. C'est très bizarre, ouais. Je suis très surpris. C'est dommage que ça aurait été mal comme route. Non, c'était trop lent. C'est 10 minutes, c'est presque plus papillon. C'est plus de 10 minutes d'aller chercher Papillon au début. Donc, Ah bon? Ouais, c'est genre 9... Non, tu mets 9 minutes, du coup au total, ça t'en a pris... T'es à 11 minutes et au ton deuxième boss, c'est un peu vénère. Ouais. Moi j'ai envie de tenter une run H-only, ce que la H plus 5 me dit, avec des résines, ça peut être pas mal. Bah le problème de la H, c'est que c'est... Des seniors avec la hache. Elle a un moveset qui est nul à chier. Non, mais moi j'aime contre, pas le moveset non plus. Je me demande, est-ce que Capra on peut le stun? Parce que les gargouilles tu les stun en deux coups. Je sais pas si Capra tu le stun. Capra c'est en 4 ou 5 coups avec la hache. 4 ou 5 pour ouais. Le stun avec la GLS c'est 3 beaucoup. Coups déjà. Ouais. Non, les gargouilles c'est 2. On va trouver nos routes avec la hache de gargouille. Lag, on peut pas la stun. Je suis sûr de faire un bon temps. Non, Quelag, tu peux pas la stun. Elle a une poise infinie sur son corps. Il faut le toucher. Par contre, elle a une très faible poise si tu touches son. D'ailleurs, avec la GLS, j'ai réussi à la stun. Ouais, mais c'est. Ça arrive si t'es un peu si en. Si t'es dans la pente, ouais. Si t'es dans la pente, ça passe. Tiens, y'a pas moyen du coup de l'infiniser en se mettant dans la pente glitchée? Non, ouais, c'est relou, parce que ouais. Du coup, elle fait des AOE après. Mais non, parce que si tu l'enchaînes, tu la stun. Ouais. Oui. Je sais pas, faudra tester, mais elle se prend plus de dégâts non dans le corps. Oui. Non, tiens, je sais pas. Tes dégâts augmentent pas? Peut-être. Grave question. Ouais, Devil Tifa qui me auto-host. Et ouais. Je me sens tellement auto-hosté. Auto-hosté. Oui, je me suis auto-hosté. Je t'auto-aime. Des fois, je me fais hoster par quelqu'un qui s'appelle Toasty. Toasty. Mange tes. Mange tes fleurs. Mange tes fleurs. Merci. Ah, j'ai fait le sub 11 à Shippendel, je croyais que ça n'arriverait jamais et c'est arrivé. T'es à combien? 10,52. Mais t'étais à combien avant? J'étais à 11,20. J'avais fait 1,11,20 et 1,11,40. Du coup là j'ai appris j'ai appris tous les damage boost et pas mal de trucs et, Ah oui, t'as appris les damage boost? Ouais, du niveau 1 et... Mais qu'est-ce que je fais? Par contre, chez Mood, je sais pas où tu mets 12 secondes sur Zaramp là, j'arrive pas. J'arrive pas à faire un sub 2,20. Tu fais 2,10 sur Zaramp là, j'arrive pas. Je fais 2,20 minimum. Ouais, je fais le nombre de sur je fais 2,12 moi. Je sais pas comment. Je crois que je rate un truc. Je fais 2,12. Je dois être bourré quelque part. T'as raté ta vie. Tu fais quoi au chevalier déjà? 1,29. C'est beaucoup, je fais 1,24. Ouais. Ouais, mais si t'as pas la... Enfin, vous attendez pas la faux. Ouais, ça a l'air pas mal, là, l'épée cristal de merde. Je reset si j'ai pas la hache ou la serre. Ouais, il faudra que j'essaye ta route. Mais ouais, du coup, tu fais pneu l'an dernier Tifa. Ouais. Bah, je faisais ça même avant d'être sub 19. Non, parce que pneu la cristal side sword, tu vas faire encore plus de dégâts. Perso, si j'ai les bolas, je perds que 4 secondes. Bah tu fais gaping plus pinwheel à la crystal strike. Bah y'a un truc que je fais très mal alors, mais je sais pas. Bah je sais pas, tu le fais en deux cycles le chevalier sans tête? Oui. Tu réussis le damage boost, tu t'arrêtes jamais. T'attends après la fleur ou pas? Le damage boost? Non, j'attends pas la fleur.
Enfin, je l'attends pas, c'est plutôt que je peux pas l'attendre de toute façon, je suis obligé d'attendre. Le damage boost après, enfin, après le billet. Ah oui. Bah, des fois j'y arrive, des fois et pas. Ah putain, et tu t'arrêtes jamais dans le niveau? Non. Bah, tu dois pas timer au même endroit que les autres alors. Moi je time quand je passe la porte. Ouais, moi aussi, je time au moment où je passe la porte. Ouais, moi aussi. Oh, j'ai appris la backup du Bicky Skip. Tu sais, si tu te fais éjecter, que t'as plus de peau au milieu, mais que t'as pas réussi à toucher le bouton, tu te mets sur les escaliers et tu descends, et c'est automatique. C'est trop pas dur. Ah ouais. Ouais. C'est quoi? Je le refais. Quand tu rates le Bicky Skip, mais t'as réussi à soulever le pot, tu sais, il reste juste le bouton à appuyer. Et ben, tu te mets sur les escaliers et tu descends. Et ça va l'activer direct. Tu vas prendre un dégât quand même. Oui. Ouais, mais ça appuie sur le bouton. Au moins, ça appuie sur le bouton, alors que si t'essayes n'importe comment, tu vas pas réussir à appuyer sur le bouton. D'accord. Et ça dépend pas du placement des antifées? Non, bah peut-être, mais en tout cas, là, on m'avait dit de faire ça, et je l'ai fait au pif, là, et ça a marché, donc je me dis que... Ouais. Oh. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Je lançais... Dark Souls. Bah je finis ma run et on peut faire des... D'accord, 2-3 de plus tard. Je suis bien parti là pour Corwin. En fait je crois que c'est le jeu qui promet le plus pour ce soir. Hein. Pour coucou Corwin. Coucou Corwin. Coucou Corwin. Quelqu'un Corwin. Je te déteste. Désolé. Oh quel enfoiré. Je perds trop de temps. Ouais. Pire jeu de l'univers. Je pense qu'à terme, je peux presque sub 20, quoi. Oui, tu peux. Pourquoi? Franchement, en jouant bien, sub 20, ça se tente, quoi. Genre, Chip and Dale, ouais, super. Il y a carrément moyen de faire sub 20 sur Chip and Dale. Sur Zelda, c'est gratos aussi. Ouais. Par contre, sur Refunct, faut s'entraîner. Mais non, c'est gratos, les 115 points sur tous les jeux. Ouais, on l'a dit hier soir sur mon chat. Bon. Allez, 195 sur tous les jeux. Bah ouais, sur tous les jeux. C'est comme ça que c'était calibré. On a dit 195 gratos, 196 impossible. et le top 10, c'est gratos d'être dedans. Une heure par point. Bah ouais, y'a Twin, bah là, c'est gratos. Putain, j'ai failli faire un remploi en un cycle. En un aller, quoi. Tellement impossible. Oh, putain. C'est possible. Il lui restait un hit. Moi je te le dis, c'est impossible. Ouais. Si, c'est entre possible, nous... si t'arrives à lui mettre 3 coups. Non, mais je sais que c'est possible. Ah, pardon. Désolé. Entre nous, Dark Souls, c'est quand même un gros jeu de barbare, quoi. Tu parles en speedrun ou juste quand tu joues comme ça? Speedrun. Oh, rate. Je l'ai raté? Oh, quel enfoiré. J'ai tout fait bien là et je suis à 1.30 via 10 minutes. De 3 nouvelles strats et le top 20 même avec quelques morts. Bah ouais, carrément, ça se fait. Franchement, ça se fait. Mais ouais, tu dois forcément t'arrêter à des moments dans le niveau. Bah non, le seul moment où on arrête, c'est le mec qui est en hauteur là avec ses qui lance des couteaux et je le tue parce que bah sinon voilà, mais je le tue rapidement. Enfin, je perds une seconde à tout prix. Normalement, c'est tu sautes, tu tires. Une fois que t'es monté, tu t'arrêtes un instant et après tu sautes, tu tires et il meurt. Ouais, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que tu fasses une 30. Il faudra que je regarde ce que tu fais, parce que. Enfin, ou que quelqu'un. Regarde ce que tu fais. Parce que c'est bizarre. De toute façon, ton jeu il va moins vite. Non, je pense pas. Non, alors l'excuse du jeu qui va moins vite, c'est. Ça marche. Non, non, je pense que je suis un gros con, mais. Ouais, je pense ça n'empêche que j'arrive pas à arriver sur mes. Ouais, vous êtes. Vous avez pas le droit de être tous des gros cons. Hein. C'est un seul. Oh, wow. On se calme. Vous choisissez, mais les excuses pas mutualisées comme ça, je valide pas.
Il prend que les excuses de GMF. Voilà. Faut bien connaître machine, hein. Ouais, carrément. Machine Land, je commence à connaître. Ghost Castle, comme je fais du casu plus plus là pour le moment, je fais pas grand chose. Le mec il pense que c'est plus plus quoi. Plus tu vois. Et pour... Tu comptes passer au casu plus 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 à un moment ou... il pense passer au speedrun moins moins. Ah ça me saoule, tiens. Ah merde. Chier. C'était pas pour t'embêter. Oh tranquille, t'inquiète, c'est pas ta faute. Je suis désolé. Ah ça me saoule putain, damage boost à la con. Tron rond petit pas tapon. Voilà. Allez mange. Mange. Putain, M27 de retard. Tiens, Don Diego, mange. Mange tes fleurs. Ah Don Diego il mange pas des fleurs. Ah bon? Il mange une patate dans sa face. Il mange une pizza. Oh d'ailleurs il c'est bien seul l'heure de la pizza. Des serbes dans la figure et tout va bien. Oh j'avoue qu'elle va pas tarder. Avec ses petites papates de pizza. Ça c'était vendredi. Ah, j'en ai mangé vendredi aussi. T'as mangé une pizza à la patate? Le pire. J'ai mangé une pizza vendredi mais pas à la patate. Pizza raclette donc ouais. Et hier soir j'ai mangé une tartiflette. C'était vachement bon. Et tu nous as pas invités. Eh ben non, parce que c'était pas chez moi. Je suis mort au contact sur un Uber. What? Oh non, mais non. Oh ça me casse les couilles, putain. Allez, ça se joue tout sur l'emmolasse. Après, si vous voulez qu'on se fasse une tartiflette. Une partiflette? Partiflette, c'est quand vous voulez. Non. Ah, c'est con, il a pas les... Bon bah pas Gonzo. Pardon. Non Gonzo il veut pas, dès le début il veut pas. Il veut pas. Dès la première fois où on s'est vu, j'ai dit tartiflette, il m'a dit non, plus jamais. T'as dit bonjour tartiflette, et il a dit non. Et du coup... J'ai voulu rentrer chez moi mais après je me suis souvenu que je pouvais pas. Donc je suis resté. J'en ai déduit que... Moi aussi j'en ai plusieurs déduits. Difficile avec la tartiflette. Y'a combien de duits en tout? 7 duits. 10 duits. Oh 10! Moi c'est induit pour moi. Ah. T'es induit d'erreur? Comme le courant. Non. Non. J'avoue que j'ai pas compris Tifa donc. Bon induit. Et bon en même temps oui, non, si vous avez pas fait ouais, des mais le mec avec son induction et tout. Ah si vous avez pas étudié Pascal. Putain, les trucs de Maxwell et tout, je suis désolé, mais moi, c'est parti de mon cerveau. Genre, j'ai oublié. Mais moi, je connais pas, mais je me rappelle des mots. Rotationnel. Maxwell, une seule cuillère suffit. Pour moi, Maxwell, c'est le méchant dans... Dans le café? Dans... Ouais. C'est Sam Maxwell Jackson? C'est Sam Maxwell Jackson? Sam Maxwell Jackson. C'est dur, hein. Ouais, non. C'est dur à dire, hein. Ça pique, hein. Fuck! Oh. Tion le langage. Bah oui, merci. En fait, Gonzo, du coup, sur mon PB Effect, il y a toute ton histoire autour de Quesada. Quesada? C'est où ils lui font un cadeau d'anniversaire. Putain, j'ai raté ça, quoi. Forcément, vous faites des trucs drôles que quand je suis pas là. Bah, t'as ben, on se dit, putain, c'est bon, je savais que les valeurs. Tiens, vas-y! Arrêtez de dormir. Comme par hasard. Non mais c'est bon, c'était déjà le cas quand j'étais au lycée. Oh ça va. C'est que du déjà vu. C'est déjà quand t'es au lycée, quand t'es au lit, quand t'es au lit A. T'es au C. Quand t'es au lit B. Tom. Quand t'es abonné au lit B. Ouais non ouais, ça par contre... Ça c'est juste que t'es un con. Au lit B Tom. On a pas... Au lit B Tom. Toi tu copies les blagues quoi, sérieux. Putain, mais Aleph, tu l'as dénervé pour tout. Aleph, le dozigou. Ah ah. Voilà. En vrai, là, il vient juste de... Je crois qu'il vient de perdre son saucisson. Il vient de perdre son saucisson. Il a son chat qui a mangé son saucisson. J'ai fait planter Bizoc. Avec ton saucisson? Voilà. Avec ton saucisson. Machoulette. C'est un adalarde de Le Chabout. Machoulette. Je vais appeler mon personnage. Non, il y a la mouche. Machoulette. Machoulette, c'est pas là où on se reproche?
Dans Dark Souls 2. C'est quoi? C'est nul. C'est nul. C'est nul, mais t'as rigolé. Ah, c'est, non, c'est tellement... Non, non, non. Si arrêtez rigolé. De rire, tout le monde. Stop. Comme, un, comme une hippie. Ah, putain. Ah, ça m'a presque fait mal cœur. Merde. Je te connaissais pas capable de ça. C'était pas tel. Je dis plus jamais ça. Tu es exclu. Je préférerais encore de la tartiflette. Hein. Vous êtes exclu. Mais un peu. Non, moi j'aurais pas, mais regardez 12ème. Oh ouais. Oui, mais j'ai ça fait. De jeter une j'ai envie de jeter un miroir dans mon écran. Hop, miroir dans ton écran. Tellement t'es laid. J'aurais pas à me regarder. Oh, je vais me prendre un gros caillou dans la face. Ah non, j'étais invulnérable. Super speed! Speed. Poupapoum, papoum, poupapoum. Très rigolo. Je suis mort sur le vautour. Nice. Elle est morte et je l'ai mangée. Morte Adèle. Elle est morte Adèle. Ouais, je m'en suis fait un sandwich. Sandwich, elle est morte Adèle. Quand je fais pas de nimp dans le déplacement dans l'overworld de Zelda, et ben je gagne 23 secondes. Et ça, ça fait plaisir. Moi j'ai bien aimé hier l'Overlord. J'ai parlé à Kirby. C'était trop bien. Kirby le petit dinosaure? Non, le PNJ rose nul là. Il m'a foncé dessus et il a décidé de me parler. C'est pas la map classique? Non, c'est pas. C'est l'autre monde? Non, l'Overworld. Mais pour moi, l'Overworld c'est la map normale. Overworld, moi, ça veut dire... Overworld ça veut dire la map hein. Enfin, ah c'est juste le... c'est ce qui décrit pas les donjons, quoi. T'as les donjons et l'overworld. Oh, le truc moche, là, où on est lapin. Ta chambre? Le Dark World. Ouais, voilà. C'est pareil, il y a 4 mètres... L'Over Dark World. L'Over Dark World. Dark Over... Le Devil World. Quatre... Bref. Non, mais je faisais la précision pour savoir, parce comment que si Twin avait gagné 23 secondes juste dans le Dark World, ça m'aurait fait du mal. C'est vrai qu'il y aurait eu un léger souci, je pense. Bah, il a fait le il la joue avec Dizok. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui, ça fait quand même, ça fait pas mal de temps du coup. Oh, je me suis pris un squelette dans la face. Oh gold, putain gold sur le premier niveau. That is unbelievable. Unbelievable. Unbelievable, c'est quand même. Est-ce que je peux pibi, vous croyez? Si je suis la logique de toutes mes dernières tentatives, je vais mourir sur Zarampla. Mais faut pas faire ça. Non, parce que... non, non, surtout pas. Attends, toutes les dernières fois où... Enfin, là, les dernières runs, les runs d'avant. Dernière run. J'ai fait un gold, et je suis mort au niveau d'après. Ah, nice. C'est une bonne loi, ça. Mais mange. Oh, mange tes fleurs. Mange. Et à chaque fois, en faisant un niveau de moins... Du coup, vous êtes un peu synchro avec Brainstorm. Ok, il est mort. Bah moi, je suis synchro au Reset Fest sur les moulins, mais sinon... Oh, ok, ça va. Ok, ça va. J'ai 4 secondes d'avance. Je remplis en 2-0-6. Juge. Incroyable. Je suis alors... une seconde devant moi. Ah, le record du monde largement prenable, là. Ah, j'ai... Ouais. Vous savez ce qui serait marrant dans Dark Souls, c'est que des fois on arrive dans une arène de boss et le boss il est pas là. On passe et puis dans l'arène de boss d'après ils sont à deux. Wouah, ça serait trop cool comme idée. Il serait dans un café. Dis-toi, tu es là. Non, t'étais bloqué dans l'arène jusqu'à ce que le boss c'est Dark Souls au pays des merveilles. Il y a une fois où t'arrives dans la zone de Capra et la porte du fond elle est ouverte et tu rentres, en fait il est dans sa chambre, il est en train de jouer. Il joue à Dark Souls. Super Capraland. Il
Il joue à Super Lombe de Bros. Ouah. Très stylé. En vrai, ce serait bien. Allez, si je meurs pas à Nouberou là, ça serait vraiment sympa. Ah, j'y crois peu, mais. Pourquoi, putain, pourquoi il revient des fois là à droite? C'est relou. C'est unfun. Et voilà. Et voilà. Allez là, à 24-40. GG. T'es sérieux? Ouais. GG. GG. 40 sur quoi? Sur Zelda. Oh. GG. Et j'ai un vieux Amos Knight, un vieux Land Molasse pourri. Mais bon Moldorm où je me fais pas pousser, où je tue les trucs vite et tout. Ça va être compliqué à battre sur la fin. J'ai 3 goals de suite. Mais Bibi. Ouais.